TikTok, tell me you've watched Gossip Girl without actually telling me you've watched Gossip Girl. I'll start. I'm Chuck Bass. Oh. Practice your English. Yeah, let's go. This with me. Yeah, je suis Dora, moi. I'm Dora, let's spread it. Hello, good morning. Morning! Need your passport, please. There you go! Thank you. You're welcome. Where did you come from? Paris! Ça, c'est simple, là. Oh, you've got a great name, by the way. Oh, thanks, like Salty it. Face! Salty Face! Perfect. Il est en train de me draguer, là, non? No worries, I like you! Here you are. Welcome to the UK. Thanks, have a good day, and if you want, I can suck your... Regardez ce que ça donne. Fais l'animation, maman, les gens s'ennuient là-bas. Alexa, comment on fait pour remuer My Mori Kit? Ne t'écoute pas. Alexa! Mon Dieu, quelle soupe, mais quelle soupe. Je vois pas il y a du plâtre sur la minute, je vois pas combien de temps il faut laisser sécher le plâtre. C'est sec ou pas là? Oh, mais là, oui. Oh, merde! Merde! Mais t'as des spasmes dans la tête, c'est pas possible. Hein? Maman! Il y en a partout. Mais maman, mais t'as enlevé le plâtre qu'il y avait de... Mais je comprends pas ce que... Je comprends pas le film que tu tournes là. Mais tu m'as dit, on met le produit et après on attend un peu. On a attendu. Mais non, mais enfin on attend un peu. Je suppose que c'était peut-être plusieurs heures. J'arrive pas à voir. Il y a le plâtre, il s'est collé dessus. Moi, j'ai pas de plâtre. Mais voilà. Où sont les mains? Mais c'était dans le plâtre. Mais le plâtre, il est au sol. Maman, t'as tout vidé. Moi, j'abandonne. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné dans ma tête. Qui t'a embrassé? Personne! C'était Trevor? Non! Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club! Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. Adopte un mec qui organise une opération assez inédite, c'est-à-dire envoyer une lettre d'amour dans l'espace à bord de l'ISS via une fusée SpaceX. Donc j'ai dit, bah pourquoi pas tomber amoureux d'un martien, je vais écrire une lettre à un martien. Ils sont toujours moins charreaux que ces connards qu'on a dans nos vies. Déjà, je commence comment? Parce qu'il faut que je dragouille un peu le martien, là. Il va attendre un peu, hein, le martien. Laisse-moi le temps, là. Je sais qu'il a excité du bulbe à l'idée de recevoir ma lettre. Faut faire le suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Moi, généralement, quand je fuis quelqu'un, il me fuit aussi. J'ai marqué « Coucou mon martien préféré. Je ne t'ai pas encore vu, mais je sais déjà que tu es beau. C'est une évidence. Tu peux pas être plus moche que mon ex que j'ai enterré dans le jardin. Je préfère prévenir. Il faut les prévenir, les martiens. Je t'aime et je t'aimerai encore plus demain si le mot respect dans ton cerveau est non coincé dans ta vie. Et si vous voulez, vous pouvez vous aussi tenter votre chance, envoyer une lettre. Vous allez sur la plateforme et tout simplement vous écrivez votre lettre. Et il va y avoir un comité de lecture qui va sélectionner les lettres. » Vaut mieux une vie courte et heureuse avec du gras qu'une vie longue et malheureuse avec un gars. Merci. Qui t'a embrassé? Personne. C'était Trevor? Non. Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. Bon allez, on continue. Cette fois-ci, on va pas faire 136 étapes. Hein. Mais vous croyez sincèrement que Kendall Jenner, elle monte ses meubles toute seule? Tu parles. Je me demande même si elle se torche le cul elle-même. Allez, on y va. Oh putain, le trafic qui s'envole. Hein. Il s'est envolé aussi vite que mon hymen, celui-là. Bon, je construis, je reviens tout à l'heure, d'accord? Dès que j'ai fini une étape. J'ai réussi à faire la table basse, attendez. C'est quoi cette gueule? On dirait un nid d'oiseau qui a mal tourné ma tête, là. Voilà la table basse. Ouh, putain, c'est lourd! Oh. J'ai failli m'enterrer avec. Oh. Putain. Ah, oh, vache. Ça y est, j'ai fait la terrasse. Voilà, regardez ça. Attendez, attendez. Ça t'a dit de venir toucher mon osier, coquinou? Ah, Pamela, arrête de me juger dès que j'ai un truc pour nous, là. J'ai des fleurs de partout dans la maison. Regardez ça, tu sais. C'est des tulipes. Oh, tu es génial. Hein. J'ai aussi un petit porte-clés zizi, voilà. Parce que je veux pas que des fleurs dans ma vie, je veux aussi qu'on fout des cartouches. Hein. Bon, j'ai reçu les trucs pour la... Oh là là, pourquoi la luminosité comme ça? On dirait qu'il y a Jesus Christ sur la terrasse. Bon, je prends un ciseau, hein. Parce que la dernière fois, j'ai pris un couteau de cuisine pour couper. J'ai failli me couper le doigt, il a failli partir dans l'espace. Ah, je suis pas été téléphone maison, moi. Allez, vas-y, on coupe.
Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi tu fais ta sauvage? Pourquoi tu fais ta sauvage? Ouh, aïe! J'ai l'impression, vous savez, quand vous coupez le ruban comme ça et que t'as une voiture ou un cadeau, quoi. Bonjour. J'adore, mais vraiment j'adore. Oh là, c'est satisfaisant, c'est satisfaisant. Si je pouvais, je couperais des aubes toute la journée. Ça te dit de pas couper avec des objets tranchants? Tu veux couper comment en fait? Avec les dents? Tu veux que je me retrouve sans chicot ou quoi? Ah non, mais j'ai pas commandé ça. Non mais s'il vous plaît, c'est des Lego géants le truc. Qu'est-ce que c'est ça? Je dois assembler des trucs là. Non mais on m'a appris pour Bobby la bricoleuse. Étape 1. Ah, je comprends que tu es la banane. Étape 2. Étape 2, rentre chez ta mère. J'ai acheté un détecteur de fantômes. On va chercher s'il y a un fantôme dans la maison. Je vais fermer tous les volets pour que ça fasse peur. Je sais pas pourquoi je rigole, je vais me chier dessus. Ça y est, il y a tout qui se ferme là. Je commence déjà à avoir peur. Oh, c'est moi. C'est peur à moi-même. Pamela, arrête de me juger là. Force de péter plus que ton cul, tu vas finir par te chier dessus. Bon allez, on y va les jeunes. Tant que c'est vert comme ça, c'est qu'il y a rien, je crois. Pamela, t'es où? Pamela! Te cache pas, je t'entends là, tu ronfles comme un porc. Bou. Est-ce qu'il y a... Aïe, 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 il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un ici. Ouh, ouh! Dame Blanche ici, es-tu là? Avec, t'étais pas là. Oh, 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 elle est... J'ai fait une crise de panique, viens pas, viens pas! Non mais j'en ai marre. Mais de couteau de cuisine, ça me fait trop penser au film d'horreur ou ça. Oh, oh. Ah, j'ai peur de tenir ça dans les mains. Ah, j'ai jamais utilisé cela. J'ai utilisé que ces petits là déjà. Ah, quand c'est trop gros, ça me fait peur. Arrête, Ricardo, ça me fait peur. Et ça me fait penser au film d'horreur, vous savez, où la meuf, pour se protéger, elle a le choix entre un couteau ou une banane. Et genre la broutille choisit la banane. Vous l'avez déjà vu ce film? Je crois que c'est carré movie. Il chute aussi dans les films d'horreur. Non, non, non. Où je vais là, maman? On aurait dû être sur les dans son frigo. Allô, Cindy. Je suis dans ta maison. Quelle est la couleur de ton string, Cindy? Dis-le-moi, Cindy. Ou sinon, je te mets une olive. Tu veux une olive, Cindy? Tu me vois, Cindy? Je suis caché, Cindy. Mais ça n'y a ni tête, cette vidéo. Je viens de regarder, mais je suis malaisant. Colissi Barbimo, ratatata. Regardez ça, j'ai reçu le... Putain. Ça, la peur de Barbie. C'est le pack familial. J'adore, moi, vraiment, mettre la Barbie dans l'eau, secouer et la retrouver sublime. Putain, c'est moi aussi, je pouvais me mettre sous la douche et me transformer en Apollon. Seulement, ceux qui sortent de la douche, c'est pas l'Apollon, mais le temps que je suis. Allez, on y va, on ouvre les pédoncules. Oh, mais tout ce qu'il y a... Dieu Seigneur! Attendez, il y en a encore! Oh là 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 là! Il y en a encore! Oh, même on se croirait dans Fort Boyard! Oh, ramasse les pièces, fourrage! C'est quoi, il y a une carte? Oh, c'est pas Dora l'exploratrice, ça? Sac à dos, sac à dos! Est-ce que tu vois Shipper? Est-ce que tu vois Shipper? Non, il est dans ton cul, Shipper! Oh, bien joué! Sors de mon bas, Shipper! Shipper, arrête de me shipper le fessier! Bon, c'est bon, je pars en couille là! Allez, on y va, c'est parti, let's go! On zingade! Oh, c'est. Mais je regarde le truc, il y a même un petit chien à mettre dans l'eau. Bon, on va commencer par la daronne. Allez, à la douche, Thérèse, tu peux du sif. Wouh! Oh, elle veut pas. Moi, je t'arrache un bras, hein. Sans pression, hein. J'ai rien à faire. Elle est en train de se noyer, là, la gadjie. Oh, il y a la tête qui ressort. Allez, allez! Prends ton bec. Du coup, j'arrive pas à voir si elle est complètement faite, quoi. Ah, ça coule! C'est vrai, j'ai oublié ça, cette merde. Pourquoi il y a un trou, quoi? C'est pour qu'elle respire, hein. Ils sont cons. On rigole, mais ça se trouve bientôt les Barbies, elles respireront. Adé, ça, tu la fous dans l'eau, elle se transforme. Bon, allez, vas-y, on sort la mer, là. Iou! Ressemble un peu à ma belle-mère, à mon ex-belle-mère. Elle était conne comme ses pieds, la pauvre. La voilà. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, là, la Julie? Ah! Coquine! Bon, il y a une boîte mystère. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ben tiens, il y a la gamine. À ton tour, Géraldine. Oh, ben là, elle est partie au fond de la Seine. Ah ben c'est ça les 2010, hein, ça prend des bains au lieu de faire cette voix. 2+2 égale, tu sais pas? Bon allez, on sort la gamine là. Bon ben c'est la copie conforme de sa mère. Regardez là, elle sourit. Petite cut. Moi je veux trouver le chien, je veux le chien. Regardez le truc, mais je tombe sur une queue de cheval. C'est pourquoi se mettre sur la gamine comme... Ah, ah. Ouais, moi je veux le chien. Oh putain, j'ai tout pété. Le chien, bordel. Ah.
Qu'est-ce que c'est ça? Une brosse à cheveux, genre je vais aller brosser la cheveux de la barbe. Bonjour et bienvenue au salon de Nolito Pète de l'air. Vous allez bien? Vous en avez marre du Covid? Vous comprenez pas pourquoi on porte des masques? Allez, moi je veux toujours le chien. Je porte plus les chiens que les humains, moi. Allez. Ah, ah! Un petit chien! Un chien-chien, oui! Mais j'ai quel âge? Plouf! Oh non, il y a des petits nounours. Mais moi là, je vais vraiment m'inventer une vie avec mes barbies. Hein. Il est trop mignon. L'amour, c'est comme l'épée. C'est que du vent et ça finit toujours par puer à la fin. Merci. Mais regardez-le. Non, mais encore un, ta mère. Ah, c'est pas des petits merdes qui vont me... J'ai même plus l'impression d'être chez moi. Ils sont dans là. Ils sont là, dans le mur. Ça a trop duré. Je vais aller faire les courses et je reviens. Bon, j'ai été faire les courses. On m'a conseillé de pas faire ça, donc les jeunes, ne faites pas ça. Mais moi, j'ai pas peur, moi. Moi, j'ai pas peur. Si, j'ai peur. J'ai même de la diarrhée par la pensée tellement que j'ai peur. On va faire ça. Nid de guêpe et frelon. Longue portée jusqu'à 6 mètres. Détruit à distance. Foudroyant. Je comprends pas. Même avec ma gueule de frangipane, je devrais les faire fuir. J'en ai fait fuir des hommes pour moins que ça. On va s'en préparer. On va y aller. Peut-être pas le nez. J'ai déjà un gros nez. S'il me pique dessus, laisse tomber. On va avoir le nez de Gargamel. Voilà, j'ai opté pour cette tenue. Le voisin est en train de me regarder dans sa deuxième. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se prend pour Dalida. Vraiment, le voisin, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça envoie du lourd ou pas, cette merde? Waouh. C'est vrai que quand je suis devant le nid, j'ai un peu peur quand même de ce que je suis en train de faire là. Ah, ah mais je m'en fous dans les yeux, mais je suis con. Je les entends, elles sont en train de canner là. Elles sont en train de mourir, vous les entendez? Ah, écoutez. Ah ah, je vous ai eu, bande de petites putes. Oh là, si elles sont encore vivantes, moi je sais pas quoi faire. Hein. Oh, ah, je me suis fait poursuivre et tout, tu sais. Je me suis fait carrément poursuivre. T'es niqué. Oh mon dieu! Mais elles sont pas mortes en fait! Elles vivent leur meilleure vie, hein. Quelle bande de petites counasses! C'est pas possible, hein! Merde! Oh, mais rentrez chez vos mères en fait! Et chez maman, c'est pas moi, maman! T'es laide! Tu ressembles à mon ex-belle-mère! Ta 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 ta! Ok, prends mon doigt! Mets-le-toi dans le cul! Une, elle vient de foncer sur la vitre, elle va me briser la vitre, la connasse! Mais c'est quoi ce truc là? C'est des guépards avec des ailes ou quoi? Elle est une de morte! Amen, bichette! I want you. Stay with me. Je vais leur mettre une couche quand même, on sait jamais. Vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je suis un professionnel. Bon, la dernière fois, mon expérience scientifique, ça vous avait pas plu, là, faire un glaçon bleu. En même temps, il faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir faire ça. Mais là, on va faire un nouveau truc. Vu l'expérience, j'éloigne le portable, je veux pas le faire exploser. Je préfère que ce soit moi qui explose, vu le prix du portable. Il y a marqué, ne convient pas aux enfants de 36 mois. 36 mois, ça fait quel âge, ça? Ils peuvent pas dire en année, 36 mois, 36 mois, ça fait beaucoup de mois. Hein. Risque d'étouffement ou de suffocation pour les enfants de moins de 8 ans. Aïe, c'est pas vrai. Alors, il nous faut un ballon. Le but, c'est qu'il m'explose en pleine gueule pour faire beaucoup de vues. 5 ml d'eau, une cuillère bleue d'acide tartrique. Tartique. De l'acide? Mais je suis gavé jeune, j'ai pas assez vécu pour mourir, là. Et une cuillère jaune de bicarbonate de soude. Non, là, on va réfléchir avant de faire ça. Non, on va pas réfléchir, on va le faire. Allez, c'est bon. Là, il faut que je construise des trucs. Qu'est-ce qu'elle a, la machine à laver, là? Tu veux participer à l'expérience? T'as chaud d'huile, là? Non, mais là, la machine, elle abuse, là, hein? Non, mais j'ai l'impression de construire un Kinder Surprise, hein. Ça qui va me sauter à la gueule, le Kinder Surprise. Pourquoi j'ai besoin de ça, là? Ça va me servir, ça? J'arrête de faire le mal. Alors, on est parti. Il faut mettre 5 ml d'eau là-dedans. Wow. Hop. Lequel je vais choisir pour faire sauter l'appartement de la voisine? J'arrive pas à enlever l'opercule. Je sais pas si c'est bien que je fasse ça avec les dents. Je vais rejoindre Michael Jackson en moonwalk. Moi, ça va être vite fait. Une cuillère d'acide tartrique. Jesus Christ, me fais pas canner. Je t'en supplie, franchement. J'ai toujours pas foutu le coup de pelle dans la gueule de mon ex. Là, ça va se commencer à se compliquer. Maintenant, il va me falloir un ballon. J'insère l'entonnoir dans le ballon. Voilà. Et je mets une cuillère de bicarbonate de soude dans le... Dans le ballon, quoi. Voilà, c'est fait. Ensuite, on met le ballon dessus. Voilà. Et là, c'est censé faire de la magie. Oh là. Oh là. Bah, c'est nul à chier, quoi. Il est censé gonfler, le ballon. Allez, gonfle. Faire quoi? Il faut secouer. Allez. Mais...